Escalader une paroi, c'est faire une lecture avec les doigts des pieds et des mains. Les prises, les trous, les fissures sont le caractère d'une écriture. Et ceux qui les parcourent les lisent comme le font les aveugles avec le braille. Ce n'est pas l'homme qui a inventé l'écriture. Elle est étendue à la surface du monde, depuis le manteau de la girafe jusqu'au pré parsemé de pétales. Je ne sais pas la lire, mais elle est là. Ogni volta che non ti sei fatto cavare fuori dalla vita. Il corpo avviato dentro un abissale J'escalade la paroi en touchant la ligne avec les bons gestes. Je ne la saisis pas toujours, et alors, impatient de poursuivre, je passe sous outre sans comprendre. La ligne s'étend du bas jusqu'au sommet. Les premiers mouvements détachés du sol sont les initiales d'un récit. Les pas sont des syllabes, et chaque arrêt un point. Le sommet est le point à la ligne. Ce sont les pensées de celui qui livre son corps aux dernières phalanges de ses doigts, le souffle ricochant sous la pierre, le bassin et les hanches, un frottement de lézard. Et puis vient la descente. Et puis vient la descente, c'est-à-dire terminer la page, défaire la montée. Et puis vient la descente, c'est-à-dire terminer la page, défaire la montée. Ogni volta che non ti sei fatto cavare fuori dalla vita. S'il existe un instant et un point où je sens que la montagne a été mienne, ce n'est pas du sommet. Au contraire, là-haut, je lui appartiens totalement. Mais d'en bas, en la regardant une dernière fois, avant de lui tourner le dos et d'achever mon retour, il m'arrive d'avoir une pensée de possession, de savoir que je suis allé là-haut.
Il dure le temps d'un merci. Sciti, giancire i fazzoletti, partiri e partiri, spartiti via una vota, abbrazzati via un balsamano, che a partiri e partiri. Elle dure le temps d'un merci. Un hiver, en février, et j'étais arrivé au sommet de la grande corne du Grand Sasso, à travers la ligne appelée la voie directe. Il y avait une lumière à se griller les yeux. L'angle plein de l'horizon donnait l'illusion d'être planté au centre, alors que tu es au point le plus fragile du champ, le sommet, le pas zéro. Après avoir avalé mon morceau de fromage habituel et bu le thé encore tiède du soir précédent, j'ai commencé à descendre le long de la crête. À cet endroit, la neige était différente de celle de la montée. Molle en surface, dure au-dessous, deux couches incohérentes, l'une glissant sur l'autre. J'avançais à pas méfiant, les pointes en acier sous mes chaussures testaient mon poids avant de se poser. Une trace sur la neige m'aidait à la reproduire. Ainsi, à un moment donné, et rien ne le laissait supposer, le mètre sur lequel je passais, il a cédé. Juste celui-ci, pas plus, le mètre sur lequel j'étais.
mètres sous lequel j'étais. Ho cominciato a scendere lungo la cresta. J'ai regardé la pente au-dessus de moi. 1000 mètres de chute au milieu des arêtes rocheuses. Le corps lancé dans un abyssal flipper. Je crois que j'ai crié d'un cri ridicule. À l'aide! Et ce cri m'a échappé. Personne ne pouvait me secourir. Les alpinistes disent 3 secondes. Si on n'arrive pas à s'arrêter pendant ces 3 premières secondes, on prend de la vitesse. On commence à rouler pour finir en bouillie. Una traccia battuta mi aiutava a ripeterla. Là fuori la natura si allena. Prépotence de vivre. Il y avait une lumière à se griller les yeux. Il y avait une lumière à se griller les yeux. Là fuori, prépotence de vivre. Dura quanto il tempo della parola grazie.
Nelly Lives alla fanon le nani forza chinama al no coi e onanne ne avazzi se noi che sono ormai C'era luce. Il y avait une lumière à se griller les yeux. Là fuori. C'era luce. C'era luce. C'era luce. C'era luce. C'era luce. C'era luce. Nanna oh, chi stu il passo numero zero. Mon corps a touché la pente et a commencé à courir vers le bas, mais dans la bonne position, pas la tête la première. Je n'ai pas dérapé. Le documentaire en raccourci de ma vie ne m'est pas passé devant les yeux, mais seulement et très précisément le piolet que je serrai à deux mains. Je ne me rappelle pas comment ma deuxième main finit sur le manche. Dans les premiers mètres, j'ai redressé l'angle de mon corps d'un coup de rein et j'ai planté mon piolet dans la neige du côté de la panne. Ça n'a pas marché. Le seul résultat a été d'entraîner encore de la neige avec moi. C'est ainsi que j'ai su que j'avais perdu, que les secondes étaient écoulées et que, de rage, plus que par conviction, j'ai fait tourner le piolet entre mes mains du côté de la pointe dentelée. Et en pleine course, j'ai lancé contre la croûte transformée en piste qui m'emportait. Plus pour la blesser, l'écorcher de ma griffe inutile, pour laisser une égratignure sous sa face resplendissante. Escalader une paroi, c'est faire une lecture avec les doigts des pieds et des mains. Les prises, les trous, les fissures sont le caractère d'une écriture. Et ceux qui les parcourent les lisent comme le font les aveugles avec le braille. Ce n'est pas l'homme qui a inventé l'écriture. Elle est étendue à la surface du monde, depuis le manteau de la girafe jusqu'au pré parsemé de pétales. Je ne sais pas la lire, mais elle est là. Non l'ha inventata l'uomo,
La scrittura è stesa sulla superficie del mondo, dal mantello della giraffa allo spargimento di petali su un prato. Non la so leggere, ma c'è. Non sempre la capisco e allora con impulso di impazienza di proseguire oltre scavalco senza intendere. In cima al corno grande del gran sasso, in cima poi viene la discesa che è chiudere la pagina, disfare la salita. Le profil en dents de scie de la pointe plongea d'un coup sec contre la vitesse, atteignit la couche la plus dure, déclencha un frottement et déchargea le frémissement du frein dans tout mon corps. Quelques mètres plus bas, il arrêta net ma course vers le carambolage. J'étais ancré au piolet recourbé, un morceau d'acier éclatant peint jaune, mon corps tourné du côté gauche, mon bras droit au-dessus du manche. Il reproduisait la silhouette d'une ancre. La mamma la cucina, lulla passo la paperina. Nonne, 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 omo bacia fuori, e omo che stessa casa fuori comanda lo servitore. Nai, 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 zitte, zitte, di mente intera, dello mozzi con l'omus, dello menti, venti su, su, dello muzzi con l'omus. Se lo do al bovendero che me lo tiene un anno intero. Il reproduisait la silhouette d'une ancre. Ce mot n'a jamais aussi bien collé à son homonyme, accentué différemment. Ancora, ancora. Ancora, ancora, c'ero ancora, encore, j'étais encore là, telle une encre, je m'étais arrêté, mon cœur ne cognait pas, je n'étais pas essoufflé, j'étais seulement et comme avant, en vie. Une tête de marteau avait essayé de m'arracher au bois, ma prise de clou avait résisté, et j'étais encore là, telle une ancre, rivée au sol par un outil et par l'instinct stava de serpent de ma colonne vertébrale qui avait bondi d'un coup pour s'accrocher au sol, sans même passer par le cerveau, directement du dos au bras, en un temps électrique. Cette furieuse envie de vivre, de l'exiger à toute force, a été un des plus beaux Noël en supplément du calendrier. Coup de grâce et de chance. Un vol à la tire. Ciao,
martiri e parturili, abbracciati da una volta, spartitivi e un assamalu, che partiri e parturili. Canta la muri, 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 Radio Scoop, ouverture des portes du Grand Mac dans un instant, mais avant, voici votre Scoop Info avec Antoine Lereux. Bonjour Antoine. Bonjour Rémi, bonjour à toutes et à tous. Les Français mitigés sur le choix de Dominic Blanc sur la session de Apple. Ce matin, la liste des sélectionneurs, résultat d'un sondage publié par le quotidien France. Por fin, tras año y medio, se reúnen Rajoy y Zapatero, un encuentro entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición que se celebra el miércoles a partir de las 10 de la mañana. Successeur de présenter une liste élargie. Raymond Domenech s'est offert ainsi le plaisir d'un dernier pied-né hier soir. On attendait une liste de 23 joueurs, il en reste finalement 30 ce matin. Et il y a les surprises, les grands absents se nomment Karim Benzema et Patrick Vieira. Et les invités surprises sont Adil Rami, Marc Planus, Mathieu Valbuena ou encore Anthony Réveillère. Notez que la liste devrait être réduite dès dimanche. Dimanche, on connaîtra un nombre de 23 personnes en Europe du Sud. En general se produce después de cerrar los denominados pactos de Zurbano en los que tal vez hubiera sido necesaria una implicación a más alto nivel. No fue así y ahora Zapatero ha convocado a Rajoy tras mantener con el líder. C'era ancora. C'ero ancora. Prépotence de vivre. Cette furieuse envie de vivre. Cette furieuse envie de vivre. Tieni lazzi stretti, giangi i fazzoletti, partiri e partiri, spartiti via una volta, abbracciati via un passamano, che partiri.